Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur cette nouvelle flambée des taux souverains américains. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, on a des taux américains à 10 ans, les taux souverains qui sont quasiment à 5%, au plus haut depuis 2007. Et là, je me dis quand même 5% alors qu'il y a le conflit au Proche-Orient qui devrait théoriquement bénéficier ou profiter aux actifs refuges tels que le dollar ou les bons du Trésor. Ça veut dire potentiellement, il aurait pu être même plus haut. Hein. Oui, effectivement. Et au Proche-Orient. Effectivement, ce qui se passe actuellement sur le marché des titres du Trésor est quand même assez largement dicté par ce qui se passe au niveau de la politique budgétaire. On parle beaucoup de la politique monétaire. Donc la Fed a beaucoup remonté ses taux en 2022 et en 2023, ses taux directeurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, on a des déficits aux États-Unis qui sont très élevés, et ce qui est tout à fait inhabituel en fin de cycle. On a des déficits budgétaires aux alentours de 7-8% du PIB, ce qu'on voit habituellement pas. En fin de cycle, normalement, le chômage est très bas, donc les déficits sont très bas. Et là, on a un déficit qui est élevé en période de resserrement monétaire. Et ça, c'est complètement inédit. Si on regarde les dernières décennies, 50, 60, dernières 70 ans, habituellement, quand on a des déficits qui sont élevés, en même temps, enfin c'est les périodes qui sont les périodes de récession, en même temps, on a généralement une politique monétaire qui vient d'être assouplie, donc des taux directeurs qui sont très bas. Et là, on a des émissions de dettes qui sont très importantes, alors même que la politique monétaire vient d'être resserrée. Et ça, c'est tout à fait inédit. Et c'est ce qui explique. Et c'est ça qui explique vraiment, c'est vraiment ce facteur-là, cette conjonction donc, d'une politique budgétaire qui est expansionniste et d'une politique monétaire qui est restrictive, qui fait que les taux sont en train de très fortement monter aux États-Unis. Il y a cette vigueur, cette résilience de l'économie américaine, mais est-ce que elle peut vivre, l'économie américaine, avec des taux long à 5%, voire plus, parce que vraiment ça va commencer à piquer, impacter. Là, je parle de la sphère économique pour le coup. Oui, alors ça, c'est vraiment le temps. C'est avec le temps que la politique monétaire produit son effet. Lors des années 2020 et 2021, la Fed avait très fortement assoupli sa politique monétaire et beaucoup de ménages avaient refinancé leur crédit immobilier. C'est-à-dire qu'ils avaient des taux fixes et très bas. Donc actuellement, il y a beaucoup de ménages qui ont des taux fixes et très bas. Et ces ménages-là ne sont pas vraiment affectés par la hausse des taux directeurs. En revanche, à un moment dans leur vie, ils vont vouloir déménager. Et quand ils voudront déménager et quitter leur crédit avec des taux bas, ils vont devoir se réendetter à des taux plus élevés. Et là, ça va vraiment impacter très fortement les ménages. C'est la même chose pour les entreprises. Les entreprises se sont très fortement refinancées à des taux bas sur les années 2020, 2021 et même le début de l'année 2022. Et progressivement, elles vont devoir se réendetter à des taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et c'est là vraiment qu'il va y avoir des problèmes pour les entreprises américaines. Bastien, est-ce que quelque part, ça n'arrange pas un peu les affaires de la Fed que les taux longs américains souverains à 10 ans soient à 5% parce que ça renchérit les conditions de financement de toute l'économie sans que la Fed, quelque part, ait à relever plus ses taux courts. Donc, j'ai envie de dire que la hausse des taux souverains fait un peu le boulot, fait un peu le job. Et c'est exactement à la place de la Fed. Quelque part, ça l'arrange un peu. C'est exactement ça. Quelque part, ça l'arrange un peu. Ça va leur permettre vraisemblablement de ne pas plus remonter les taux directeurs. Lors du FOMC qu'il avait pu y avoir en septembre, ce qu'on appelle les DOTS, c'est-à-dire les anticipations de taux directeurs qu'ils ont pour la fin de l'année, indiqué une hausse de taux directeurs pour la fin de l'année. Là, vraiment, la communication qu'on a pu avoir ces dernières semaines, c'est vraiment que, eh bien, étant donné que les conditions financières se sont durcies à cause de cette remontée des taux longs, il n'y aura pas de nécessité de remonter les taux directeurs. Oui, Antoine nous a dit hier soir, Jérôme Powell, que la force de l'économie américaine pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux. Mais il a aussi dit, il a dit beaucoup de choses parce que de toute façon, ils sont dans une situation où ils sont un petit peu attentifs. Maintenant, ils ont déjà beaucoup remonté les taux directeurs, donc ils peuvent se permettre de prendre un petit peu leur temps. Mais il a quand même aussi bien précisé le fait que cette remontée des taux longs faisait déjà une petite partie du travail. Mais ce que je note aussi dans ce qu'il a dit hier, et ça c'est assez nouveau dans l'analyse économique, c'est vraiment le fait qu'on a eu une décélération des salaires aux États-Unis. Et en fait, il considère maintenant... Toujours en croissance rapide. Ben là, vraiment, il y a eu... On est sur 4. Maintenant, sur les trois derniers mois, la progression des salaires, c'est 3,4% en rythme annualisé. Ouais. Et ça, on revient à peu près au niveau d'avant la crise Covid. Ouais. Et ce que disait Powell hier soir, c'était que ça, c'était cohérent avec une inflation de 2% sur le moyen-long terme. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'ils disent ça. Parce que vraiment, ce dont ils avaient vraiment peur, c'était un emballement du marché du travail qui fait qu'il y aurait une boucle prix-salaire qui les ferait aller beaucoup plus haut en termes de taux directeurs. Ouais, en glissement annualisé 3,4, mais en glissement annuel, on est à combien sur les hausses de salaire ? On est à 4%.
Ah non, quand même, ok. D'ailleurs, 4%, c'est ce que prévoient les économistes d'ING pour la croissance américaine au troisième trimestre. Elle surprend quand même cette résilience de l'économie américaine, qui pourrait pousser, encore une fois, la Fed peut-être à en faire plus. Alors bah, là, l'un des éléments qui joue beaucoup sur les chiffres, sur la croissance, c'est la politique budgétaire, les grands plans d'investissement qui ont été mis en place par l'administration Biden. Ils ont lancé un plan bipartisan d'infrastructure. Alors maintenant, tout le monde l'a oublié ce plan parce qu'il a été voté en début de mandat de Joe Biden. Sauf que c'est maintenant qu'il produit ses effets avec la construction de ponts, de routes, d'autoroutes. On a aussi l'Inflation Reduction Act, donc les constructions de centrales électriques. On a aussi un plan d'investissement sur les semi-conducteurs. Et là, on voit que les dépenses de construction d'usines aux États-Unis progressent à un rythme jamais vu sur les 50, 60, 70 dernières années. Donc ça, c'est vraiment l'un des éléments qui produit la résistance de l'économie américaine. Bon, il reste deux réunions de la Fed d'ici à Noël. On se dit quoi? On se dit qu'elle continuera à conserver. Alors, quoi qu'il en soit, une posture, on imagine, qui restera en posture agressive. Est-ce qu'elle passera son tour? Ou est-ce que, voilà, effectivement, elle ne fera rien et puis elle attendra peut-être beaucoup plus longtemps avant de les baisser 2024, 2025. Là, on peut maintenant. Hausse de taux, il y a aussi cette option-là. On peut maintenant anticiper qu'on va rester dans une pause, en ce qui concerne la Fed, on va rester dans une pause jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, les marchés anticipent qu'il est assez peu probable qu'il y ait une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Le discours va rester agressif, enfin, relativement agressif, offensif, parce qu'ils ont vraiment en tête l'épisode des années 70 avec l'inflation qui était repartie. Donc, il ne faut pas lâcher trop tôt, finalement, la politique restrictive. Maintenant, le grand enjeu pour les marchés obligataires, c'est de savoir, commencer à réfléchir à quand est-ce que la Fed va baisser ses taux directeurs en 2024. Est-ce que ça sera vers l'été 2024? Est-ce que ça sera seulement vers la fin de l'année 2024? Ouais. C'est ça qui va être vraiment l'enjeu pour les marchés obligataires. Bon, question 1 milliard de dollars, jusqu'où les taux à 10 ans américains peuvent monter? Jusqu'à présent, c'est allé quand même très vite et très haut. Oui, là, on a une progression des taux longs il y a eu des calculs qui ont été faits qui montraient que la baisse de la valeur des obligations était probablement la plus forte que celle qu'on ait jamais vue finalement sur les marchés obligataires depuis. Pour l'actif considéré comme le plus sûr du monde. Exactement. Étant passant, pardon. Exactement, oui. Ouais, et donc, a priori, le gros de la hausse est faite sur les taux américains. A priori, oui. A priori, nous, on a plutôt l'anticipation que ces taux devraient rebaisser d'ici de la fin de l'année avec la dégradation progressive de l'économie américaine et puis progressivement le fait que la Fed ait un discours de moins en moins offensif au fil du temps. Allez, explication signée Bastien Druth, responsable d'études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci à vous. Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama. We'll be right back.